personnes qui arrivent, qui restent au fond de la salle, vous pouvez vous avancer, il reste des places devant si vous voulez. S'il vous plaît, si les personnes encore debout, vous pouvez prendre une place pour qu'on puisse voir combien de places il reste et ensuite on va distribuer des chaises. Merci. Mais venez devant quand vous n'avez pas de place. Excusez-moi, pour les gens installés au fond, il y a des chaises juste ici, vous pouvez les prendre et vous installer où vous voulez. Donc, non? Et pas dans le champ de la caméra. Non? Il n'y a personne? Prenez des chaises qui sont ici.
Merci. Si les dernières personnes qui prennent des chaises peuvent faire dans le silence et le calme, merci à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour la demi-finale du prix Philippe Séguin, cet événement qui maintenant est une institution à Sciences Po. Ça nous a fait, à tout le bureau de Sciences Polémiques, mais également au BDE et à Sciences Po TV, énormément plaisir d'organiser cet événement qui a commencé le 14 mars. Qui a commencé le 14 mars dernier. Depuis, nous avons entendu près de 270 candidats, ce qui a représenté un nombre d'heures de sélection assez intense. Mais ça a été un vrai plaisir pour nous tous et pour tous les jurys de sélection d'entendre vos discours. Vous avez été vraiment merveilleux. Ce qui a été très beau surtout, c'est de voir en fait à quel point vous étiez divers dans vos profils, dans vos idées et dans ce que vous défendiez. On a eu près de 40% d'étudiants qui venaient des campus délocalisés. Et ça, c'est une vraie fierté pour nous, puisque depuis cette année, Sciences Polémiques est présente sur tous les campus de Sciences Po. Et d'ailleurs, ce soir, nous en avons un bel exemple, puisque plusieurs des sélectionnés viennent de campus délocalisés. Ça a également été un bel événement pour du point de vue de la diversité des promotions, puisqu'il y avait, et là aussi, beaucoup d'étudiants de première année qui ont osé surmonter la timidité le fait de n'avoir jamais vécu de prix Philippe Séguin pour participer. Et là aussi, ils sont nombreux à avoir réussi à se hisser jusqu'à ce niveau-là de la compétition. Ils sont ce soir 15, et nécessairement, ça a été extrêmement dur de devoir choisir 15 personnes parmi les 270 qu'on a pu entendre. Donc vraiment, il y a eu des choses exceptionnelles. Et le prix continuera donc vendredi prochain, puisque les 6 finalistes qu'on aura sélectionnés ce soir se retrouveront en bout de mi dans un jury prestigieux qu'on vous dévoilera d'ici la fin de la semaine, et qui est évidemment ravi de venir à Sciences Po pour vous entendre. Alors je vais laisser maintenant la place à Irina, qui va vous présenter nos partenaires et nos honorables membres du jury. Bonsoir à tous et merci d'être là. Et on accueille Jean-Marie Donegani, qui vient de rentrer dans la salle. Pierre, laisse-lui la place. Donc voilà pour la présentation du jury qui commence très fort. Merci à vous d'être tous là. On a une salle totalement remplie. Il risque d'y avoir un appariteur mécontent qui va rentrer d'ici une demi-heure dans la salle en nous disant de tous sortir, mais on va faire avec. On a 15 candidats, 3 de plus que prévu, tellement le niveau était bon durant ces sélections. Et on espère que les candidats nous ont préparé des très bons discours aussi pour ce soir. On accueille donc dans notre jury Pierre-François. Qu'on n'a pas besoin de présenter, donc. Jean-Marie Donegani, qui a fait une entrée fracassante. Bien sûr. Bénédicte Durand. Françoise Mélonio, qui n'a pas disparu et qui est toujours là. Et ensuite, nous avons Guillaume Prigent, qu'on va présenter, qui est donc lauréat du prix Philippe Séguin et du prix Mirabeau, qui a été professeur d'art oratoire et qui maintenant travaille comme consultant en communication politique. Nous avons aussi dans notre jury Thibaut Quéré, président de Junior Consulting Sciences Po, qui soutient le prix et qui vient observer un concours d'éloquence, éventuellement dans l'optique d'en créer un pour Junior Consulting eux-mêmes, et qui soutient bien sûr la prise de parole en public dans le milieu professionnel et qui nous fait l'honneur cette année de nous soutenir. Nous avons aussi Amélie Blanquer, créatrice, fondatrice de Coup de Plume, et aussi professeure à Sciences Po d'art oratoire. Cherchez du regard. Et Simon Garcia, qui était président de Sciences Polémiques et fondateur de l'association, qui est maintenant énarque, non, haut fonctionnaire. Ça se dit pas, hein. C'est lui qui m'a demandé de supprimer énarque de sa description, comme si avoir fait l'ENA et avoir eu l'ENA était une honte. Et non, tu es énarque, Simon. Donc on est très heureux de t'accueillir dans notre jury. Donc un applaudissement pour
l'énarque de notre jury. Et je crois que c'est tout, à moins que j'en ai oublié un. Non, ça serait catastrophique. Donc, on va commencer tout de suite parce qu'on a 15 candidats à faire passer et que ça va prendre beaucoup de temps. On remercie, bien entendu, vous voyez la technologie ce soir. On est filmé, c'est en live stream et c'est grâce à Sciences Po TV. On remercie toute son équipe pour cette organisation. Et enfin, nous remercions bien entendu ceux qui financent le prix, Veil Solis, donc cabinet de conseil en communication politique, et Deloitte, qui n'est pas représenté dans ce jury ce soir, mais qui sera en finale. Donc voilà, merci beaucoup. Et on appelle donc le premier candidat à venir se présenter, Théo Dachary. Ah oui, quand même. Tout d'abord, j'aimerais remercier Sciences Polémiques pour son sens aigu de l'organisation et du tact. Commencer la soirée par un sujet sur Dieu, c'est glissant. Mais alors le confier à une première année, qui plus est athée comme les blés, alors je sens qu'on va passer une très très bonne soirée. Et oui, mes amis, je suis athée. Qu'est-ce que ça veut dire, vous me direz? Eh bien, ça veut dire que je vais mourir. Vous êtes contents, hein? Et puis oui, c'est pour de bon en plus, hein. C'est pas juste une petite mort et puis je reviens dans un moment, je débarrasse le plancher. Mais tant que je reste vivant, être athée, ça veut surtout dire que j'ai froid. Oui, je ne suis pas réchauffé par cette voûte protectrice et commune qu'est la religion. On dit souvent qu'importe les murs pourvu que le toit soit commun. Sauf que la religion, elle a décidé de personnifier le toit. Les Européens ont bien chaud, réchauffé par les poils de la barbe du dieu. Je vous dirais donc géographiquement, plaignons les Africains. Ouais, tu m'étonnes que ça chie là-bas. Enfin, bref, non. Mettons un terme à la métaphore, vous l'aurez compris, j'ai l'humeur explicite. Mais enfin, on n'en attendrait pas moins de moi. En tant qu'athée, je n'ai pas le temps de m'apesantir sur le sens de la vie, sur la contemplation des choses. Non. Moi, je vais mourir. Hein. Donc un peu de compassion, laissez-moi regarder ma téloge avec une bière et en chaussettes, n'est-ce pas Pierrot? Je vois que t'es d'accord. Hein. Non, parce que moi, je les envie, les religieux. Ils peuvent tout justifier par l'immortalité. Prenez le cardinal Barbarin, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit à ses collègues? Oui, parce qu'il il est comme ça. Ne t'inquiète pas, ils auront l'éternité pour s'en remettre. Non, Théo. Pas de dérapage, tu te l'es promis, t'étais à Sciences Po ici, parce que moi, j'ai pas de Dieu, hein, mais j'ai la version discount, j'ai une conscience. Ici, on débat, ici, c'est serein. Alors voilà, tu gardes ton calme, c'est pas parce que tu vas mourir qu'il faut t'exciter. Non, mais c'est vrai, dans les films, les mourants, ils meurent toujours très dignement. Jamais ils ne s'énervent. Ils préparent leur mort, tranquillement. Ils pleurent en silence, ils font du tricot, ils baisent une dernière fois. Bon, ben voilà, moi, je vais faire pareil. Hein. Je crois pas en Dieu, c'est comme ça. La mort m'appelle, et elle a l'air super sympa. Bon, elle a juste un peu la tête de Caroline Forest, mais bon, ça, c'est pas grave. Comme dirait mon philosophe préféré, la vie, c'est mourir aussi. C'est rester en vie au-delà de la mort. Tous ceux qui sont morts n'ignorent pas de le savoir. Schopenhauer. Vous voyez, je peux être sérieux aussi. Non, je déconne, c'est l'oncle d'Andam. Comme vous le savez peut-être, Théo, en grec, c'est Dieu. Donc, imaginons ce soir, devant vos yeux ébahis, que je suis un dieu grec. Ce qui n'est finalement pas si éloigné de la réalité quotidienne, vous en conviendrez. Jeune pieux, entendez ma voix. Seriez-vous capable de mourir pour moi? C'était un peu attendu en même temps. Mais pourquoi? Eh bien parce que, avouons-le, les croyants ne meurent pas, ce n'est pas vrai. On nous ment, on nous fait croire qu'ils sont comme nous, mais en fait, non. C'est bien pour ça qu'ils se battent, bah oui. Les guerres de religion, même en jeu que gendarmes et voleurs, c'est pareil que quand ton pote te mettait la misère au bras de fer dans la cour de récré. Bon, sauf que moi, mon pote, elle s'appelait Clara. Mais quand Clara te met la misère devant tous les autres enfants de l'école, bon, bah, c'est pas grave, tu ravales ta fierté, tu sais que c'est pour du faux, que tout à l'heure, tu vas aller à la cantine, que vous allez bien vous amuser. Enfin, les autres, il paraît qu'ils s'amusent bien, parfois. Bon, ben voilà, sunnite, chiite, israélien, palestinien, même combat, de toute façon, Dieu est là. Dieu est arbitre, mais Dieu ne te veut pas de mal. Dieu, c'est Madame Oscamou, en CP, qui engueule Clara. Mais arrête de martyriser Théo comme ça, il t'a rien fait, le pauvre.
Bon, alors, moi, j'ai juste un petit truc qui me chiffonne. C'est que je comprends pas pourquoi les croyants s'entêtent à vouloir nous imiter. Mais c'est vrai, c'est quoi cette manie de vouloir mourir tous, les gars? C'est une mode ou quoi? Enfin, je sais pas, aucune personnalité. Vous êtes des élus de Dieu, les gars. Regardez les dessins animés, ménagez-vous. Une bonne cuite, quoi. Vous avez des jeux bizarres, hein. Vous aimez le risque, c'est ça. Les croyants, ils aiment prendre des risques. Ils aiment les sports à sensation. Mais ça, là, je te l'ai déjà dit 100 fois, tu n'y arriveras pas à mourir. Et puis ça là, c'est quoi cette manière de vouloir tout le temps jouer avec tout le monde? Tes camarades en ont marre de toi. Ils ne veulent pas jouer, tu as compris, mais que ce soit tes camarades parisiens, bruxellois, de Beyrouth, de Lagos, t'as été viré de toutes les écoles, mon pote. Parce que moi, je vais mourir, hein, tu sais, je serai pas là tout le temps pour récupérer tes conneries, pour essayer de te justifier auprès de tous les médias. Enfin, même s'il y a BFM qui mâche un peu le travail, c'est sûr, mais... Toi, Dieu te condamne à vivre. Alors tu pourras pas passer ta vie à jouer avec le feu comme ça. Parce que t'es pas tout seul à être condamné à l'éternité. Hein. Vous êtes beaucoup. Il y a le pape François, il y a Netanyahou, il y a la manif pour tous. Bon, bah, vous tous, clairement, c'est sûr, vous avez envie de jouer. Mais il y en a beaucoup d'autres qui veulent pas. Alors respectez leur austérité un petit peu, bande de joyeux drilles. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bon. Je suis désolé, pour moi l'heure est venue, les amis. Caroline m'appelle, hein. Faut que j'y aille. En plus, elle n'a pas l'air contente, soi-disant. Je suis un blasphémateur trop modéré, pas assez dogmatique. Bon, enfin, je me retire. J'ai l'impression d'avoir bien remotivé les troupes, hein, d'avoir clarifié un certain nombre de points capitaux. Je suis assez content. Je laisse la parole à mes camarades qui suivent. Bon, bah, enfin, mortel ou immortel, ils vous emmèneront. Où ça, je ne serai pas là pour le voir. Je vous laisse avec votre libre arbitre. Ça fait peur, hein? Merci. Oui, j'imagine qu'il y a des questions désormais pour notre ami Théo parmi les membres du jury. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ? Oui. Quel effet ça fait de s'appeler Théo en se proclamant athée ? Je pense que c'est assez représentatif de la manière dont j'ai vécu ma vie, c'est-à-dire très paradoxalement. Et sans grande conviction, vraiment, parce que bah, ouais, quand on a des parents qui vous appellent Théo et qui sont eux, mais encore plus que moi, c'est-à-dire anticléricaux, oui, non, mais je peux dire que j'ai hérité du sens du paradoxe, oui, c'est sûr. Théo, vous êtes visiblement un joyeux drille. Pensez-vous que si Dieu existait, il serait un bon vivant ? Oui, je pense que oui. Bah, étant donné que géographiquement, j'ai situé les poils de la barbe autour de l'Europe, on peut dire que son bassin est environ autour de la mer Méditerranée, donc il a carrément creusé un trou avec son ventre. Hein. Oui. Une autre question ? Oui. Toutes les religions croient à la résurrection ? Écoutez, comme mon ami Jean-Claude Van Damme le disait, tous ceux qui sont morts n'ignorent pas de le savoir, et tous ceux qui ne sont pas morts l'ignorent clairement. Donc bon, voilà. Après, c'est à la liberté de chacun. Voilà. Une dernière question. Vous avez parlé du visage de la mort, comme dans celui de Caroline Fourest. Oui. Pour vous, c'est quoi? Elle m'inspire beaucoup. Bah, c'est tant mieux, parce que ma question est liée à ça. Quel est pour vous le visage du plaisir? Je dirais Aymeric Caron bourré un samedi soir dans le port de Dunkerque. Voilà. Merci beaucoup Théo. Et maintenant on va accueillir Martin Guermont-Prez pour le sujet « Au XXIe siècle, l'amour est un SMS sans réponse ». Parler d'amour ici,
dans ce haut lieu de l'excitation neuronale, de la masturbation synaptique, institution fertile, Sciences Po pourtant se refuse à nous parler d'amour. Comme si ce n'était pas une chose sérieuse, comme si l'attirance avait toujours été régie par les mêmes règles. Mais les standards ont bien varié. C'est lorsqu'il vit le nez de Cléopâtre que César voulut devenir son Jules. Aujourd'hui, et j'en suis la première victime, les nez forts, les gros tarins sont rejetés, stigmatisés, ostracisés. Aucun empereur ne s'est jamais battu pour conquérir mon nez. S'il eût été plus court, qui sait ? Ils ont varié, mais à toutes les époques, les canons de la beauté ont laissé pour compte une vaste communauté d'hideux, d'affreux, de trop vieux, de boutonneux, de sourcils broussailleux. Et ce sont eux qui, dans la nécessité de la lutte pour leur reproduction, ont inventé la séduction. Ces vieux renards ont composé des grimoires. Ils ont éduqué ce basculement dans la niaiserie qui fait de nous des Roméo idiots et des Juliettes ineptes. Et ils les arment, la grosse Bertha de la drague. Ce n'est pas le brame, ce n'est pas le combat, c'est l'absence, c'est l'ignorance, c'est la privation. Pas un coup d'œil à cette personne. Vous la regardez, mais vous ne l'avez pas vue. Vous l'aimiez, puis vous revenez, regard croisé, sourire gêné. Vous éveillez. Il se tortille, il pleurniche, il gémit. De la même manière, retirez son misée à un petit. Il pleurniche, il gémit. L'action est un catalyseur, un saisie. Et alors, la beauté du mystère. Vous êtes le rideau du big deal, convoité comme une queue de Mickey, désiré comme un totem d'immunité. À ceux qui doutent, à ceux qui craignent que leur nuit de gloire n'arrive jamais, avancez tapis, devenez félin, ne succombez pas bêtement au chant des sirènes. Cette personne désirée ne répondait pas à ses avances, ne répondait pas à ses SMS, refusez-la sur Facebook, dans un monde où tout est si simplement accessible, pour être intéressant. Soyez absent. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Savez-vous ce qu'est un SMS ? Alors c'était dans mon sujet. C'est ma question. Par conséquent, je me suis renseigné. Apparemment, c'est une forme de message qui passe par une forme de satellite. J'ai pas tout compris. Mais ce qui est certain, c'est que c'est effectivement, apparemment, une forme moderne d'amour épistolaire qui peut passer par ce SMS et par conséquent, de la même manière qu'il ne fallait pas répondre aux lettres, il ne faut pas répondre à ces instruments appelés SMS. Une autre question ? Moi, j'en ai plein. Oula. Eh bien, une deuxième, alors. Lacan. Vous mettez de Lacan, moi je vous parle de totem. Par conséquent, nous ne sommes pas de la même école et je préférerais me référer à Freud. Merci. Une autre question ? Oui. Quel est selon vous le plus beau livre d'amour ? Je crois que Nabila est en train de rédiger ses mémoires. Je vais vous répondre plus sincèrement et de manière très classique. Je pleure bêtement devant Roméo et Juliette. Merci, je m'arrêterai là.
Une dernière question, peut-être de la part de quelqu'un d'autre. Non. On a un jury timide ce soir. Eh bien, dans ce cas-là, merci. Je vous remercie. Merci. Et on accueille maintenant Maxime Prunier sur le sujet « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert ». Lorsque j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Joseph Goebbels, bien, maintenant que l'atmosphère est plutôt détendue, j'aimerais vous dire la chose suivante. La culture ne peut pas se faire vulgairement braquer. La contraindre par la force est un crime grave, très grave. C'est en l'empêchant de s'exprimer que nous rejetons la condition humaine. Comme en amour, apprenez donc à la connaître et à conquérir son cœur, même s'il est vrai que pour moi, parfois, certaines conquêtes ont pu se révéler plus difficiles que d'autres. Je l'avoue, Sciences Po a pu parfois me compliquer les choses. Depuis 2011, la direction nous donne l'opportunité de nous lâcher, de laisser exprimer notre âme d'artiste et notre puissance créatrice. J'ai nommé les élèves. Même au Havre, nous n'avions pas connu de tels massacres depuis la Révolution culturelle. Et oui, lorsque nous avons la malchance de louper nos inscriptions pédagogiques, nous sommes donc condamnés, parfois, comme vous, 2 heures par semaine, à nous rouler dans l'herbe, à faire la danse du feu, à écrire avec de l'air, à photographier des lampadaires, ou encore à faire bouger nos membres d'une manière bien singulière. Et comment vous dire, après avoir vécu des expériences culturelles aussi intenses, aussi enivrantes, comment ne pas s'être bouleversé par tant de démagogie? L'objet de notre conquête, ça n'est pas une fuite en avant ou la volonté d'une société du tout élitiste, cohabiter sans aucune forme de condescendance. Si l'on a déjà choisi son camp, les armes à la main, c'est peut-être que nous échappons à tout un pan de la création humaine. Plus ou moins complexe, il est vrai, mais ô combien essentiel. Tenez, lorsque je regarde le visage de madame assise au dernier rang, libre à moi de penser soit à une beauté populaire, Josiane Balasco, ou soit à une beauté plus classique, le radeau de la Méduse. Je crois à la culture comme héritage. Penser qu'un individu s'échappant de tout déterminisme social pourra se former un jour, seul, par le libre accès à l'offre culturelle, est un mensonge. La culture a aussi besoin d'intermédiaires. Nous avons tous connu un passeur de savoir qui nous a profondément marqués, un professeur, un grand-parent, et dans mon cas, un père qui m'a transmis sa passion sans limite pour l'art, auquel il a dédié sa vie. En fait, ça y est. Maintenant, je sais, j'en suis certain. Chère madame assise au dernier rang, vous avez les traits d'un Jackson Pollock. 1%. Oui, 1%. Moins d'1% seulement du budget de l'État permettrait, comme en 1981, de mener une politique culturelle se donnant réellement les moyens de ses ambitions. Depuis 30 ans, les politiques de gauche comme de droite ont failli à cette tâche essentielle. L'histoire aura ainsi retenu 2 noms, André Malraux et Jack Lang, l'illustration parfaite d'une culture capable de transcender n'importe quel clivage politique. Mais ce qui doit nous unir, c'est d'abord l'objet de cette conquête. Dans une période de crise, sous toutes ses formes, même les plus extrêmes. Parler de reconquête culturelle n'est pas une utopie. Cela peut être aussi notre salut. Je vous remercie.
Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Merci. Est-ce que vous pourriez un petit peu détailler votre programme, parce que c'était volontariste, mais quelles seraient pour vous les armes de cette reconquête culturelle ? Écoutez, je vais répondre vraiment sur le fond. Je ne prétends pas de faire de la politique, je ne prétends pas me présenter un jour à une élection. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vis dans une ville de province, Le Havre, et lorsqu'on voit que le système universitaire, on est passé à côté de quelque chose, et que pour redonner espoir à cette jeunesse, il faut d'abord redonner les moyens aux universités de pouvoir répondre à leur tâche première, transmettre du savoir. Aux universités ou à la télé ? Je ne critique pas certains programmes télévisés. Depuis l'âge de 8 ans, je regarde chaque soir Arte Journal, très très bien. Je conseille aussi l'émission d'Yves Calvi sur la 5, très enrichissante. Non, plus sérieusement, je pense que Énergie 12 et TF1 pourraient être radiés à vie. Là, on n'est plus dans la culture populaire, on est dans le déni de culture, je pense. Une autre question ? Il faut faire circuler le micro de ce côté-là. Ne pensez-vous pas que l'idée selon laquelle la culture populaire et la culture savante peuvent cohabiter, ou la culture dominante peuvent cohabiter, c'est en soi une pensée dominante ? Bonne chance. Écoutez, en toute honnêteté, je porte cette institution maintenant depuis 2 ans dans mon cœur, c'est vrai. J'ai eu le sentiment peut-être que dans un campus où 60% de nos étudiants sont étrangers, je tiens d'ailleurs à saluer le campus peut-être qui me regarde, je pense que nous avons peut-être raté quelque chose dans ce programme, c'est peut-être la transmission de la culture populaire française, parce que je ne pense pas que ce soit dominant de pouvoir transmettre à des étrangers des notions culturelles que nous avons tous français, des chansons de Charles Trenet, je ne sais pas, mais quelque part, je pense que chaque pan de la culture est importante. Toutes les cultures se valent-elles ? N'est-ce pas ? Je suis profondément français, donc oui, la culture française est supérieure, je l'avoue. Je pense que tout ce qui émane d'elle est forcément supérieur, mais je pense que les autres ont aussi des armes. Nous sommes bons dans certains domaines, certains dans d'autres, certains pas du tout. Mais je pense que non, la culture française, je la porte dans mon cœur, je pense qu'elle a vraiment toute sa place dans le monde. Pensez-vous qu'il faille être en colère pour défendre une cause ? Vous avez eu l'impression que j'étais en colère ? C'est moi qui pose la question. Je pense que la colère peut permettre quelque part de la révolte, mais je pense qu'il ne faut pas confondre colère et sens du verbe. Et je pense que pour faire passer des messages, il faut se donner à fond aussi. Donc je n'étais pas peut-être assez en colère, mais ce n'était pas ma première intention. Merci beaucoup, Maxime. Je vous remercie. Et à présent, on accueille la première candidate de la soirée, Alexandra de Shonen, pour le sujet suivant. Tout sera oublié, rien ne sera pardonné. Mesdames et messieurs les jurés, cher public, je tiens d'abord à remercier le comité d'évaluation des citations de m'avoir donné un sujet que je n'oublierai jamais. Lourde prise de position, réac à souhait. Je me trouve face à une situation d'une insoutenable lourdeur, la plus pesante qui soit, celle de Kundera. Tout sera oublié, rien ne sera pardonné. Quelle plaisanterie. Oui, mesdames et messieurs, nous voilà face à un affreux syllogisme qui sous-entend évidemment le devoir de mémoire. Nous voilà face à un constat triste qui se veut le désaveu de l'espèce humaine.
qui implique que face à l'oubli, rien n'est pardonné et que de toute façon, il n'y a pas d'échappée belle. Nous sommes tous condamnés à l'oubli, nous sommes tous condamnés à la rancune. Enfin bref, vous m'avez donné un sujet tellement glauque. Eh bien moi je vous dis, je n'ai rien oublié, mais j'ai tout pardonné. C'est vrai, l'oubli et le pardon sont deux notions complexes. Qui ne tient pas une liste de ceux qui les ont offensés ? Ou bien qui, par paresse, préfère oublier que de pardonner ? Parce que se souvenir des 20 centimes prêtés devant la machine à café, ça fatigue bien plus de monde que ça n'appelle les esprits. À l'inverse, ce n'est qu'en se souvenant de ces traumatismes d'enfance qu'on réussit à comprendre son présent. Sur une note beaucoup plus grave, les Klarsfeld avaient eux aussi dit « c'est oublié » à propos de leur chasse aux nazis. Je te jure, là, la vérité, mon frère, c'est oublié. C'est vrai, tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Enfin, nous connaissons tous cette théorie. Alors non, je ne veux pas faire un discours point Godwin, mais le sujet ne me facilite pas la tâche. En faisant creuser un sujet sur la mémoire, vous me forcez à invoquer des thèmes plutôt festifs. Oui, on s'est programmé une bonne soirée à base d'humour low-cost sur l'Holocauste, des massacres coupe-coupe, des Hutus, des nettoyages ethniques de Srebrenica, comme chez les Indiens d'Amérique. Ça promet. Mais est-ce bien mon rôle de vous faire la leçon sur l'apartheid, l'Irlande du Nord, le conflit israélo-palestinien ou le massacre de Nankin ? Est-ce bien mon rôle de vous apprendre qu'on ne peut pardonner que si l'on se souvient ? Est-ce bien mon rôle de critiquer vertement la façon dont Kundera a d'enfoncer une porte ouverte, de m'agacer en vous montrant quand cette phrase réside l'une des nombreuses bonnes intentions qui pavent l'enfer ? Est-ce bien mon rôle que de vous montrer que trop de souvenirs pèsent sur les âmes comme le deuil pèse sur les cœurs ? Ce soir, vous ne m'avez pas laissé le choix. Vous me mettez au pied du mur en me demandant de parler des choses les plus atroces qui soient, la rancune, la vengeance, la violence, la mémoire des morts et des massacres. Mais moi, je n'ai que 24 ans. J'ai grandi dans le rappel constant de tous ces événements sordides de l'histoire de l'homme. J'ai rien oublié, mais j'ai tout pardonné. Alors ce soir, je vais vous demander de me lâcher, de nous lâcher tous, dans cette compétition permanente des mémoires. Nous jouons aujourd'hui au jeu de qui se souviendra le plus, de qui aura le plus grand mémorial ou le plus grand musée du souvenir, de qui aura une loi pour son génocide, ou même de qui aura une journée spéciale hashtag tristesse, hashtag souvenons-nous, hashtag c'était pas bien. Mais quelle injustice je ressens de ne pas descendre d'une lignée de martyrisés. Rendez-vous compte ! Je ne suis ni juive, ni noire, ni arménienne, ni fille de Harki. Ah, le bonheur d'avoir souffert ! Encore mieux, d'avoir partagé la douleur de ses ancêtres. On recueille tout le bénéfice moral sans avoir souffert au préalable. Encore, je serai chrétienne d'Orient. Mais non, je ne suis qu'une chrétienne du 6e arrondissement. À quand le droit pour tous d'être victimes ? Ai-je encore le droit d'en vouloir à la France d'avoir guillotiné toute une flopée d'oncles et tantes ? À quand le mémorial des aristos déchus et le hashtag « vivre sans son château » ? Merde ! Putain ! Chiotte ! C'est vrai ? Moi, je réclame le droit au souvenir des aristos de France. À quand un remords national pour le sang bleu versé pendant la terreur ? Ne pourrais-je pas, moi aussi, tel le dépositaire de la mémoire collective de l'ancien régime, vous dire à tous « je vous pardonne ». Eh bien non, parce que tout le monde s'en fiche. Personne n'a ni de remords, ni le besoin d'être pardonné pour les actes de Robespierre ou de Fouché. Ce qui nous unit, c'est notre humanité, pas notre carte de victime. Et ce que je revendique ce soir, c'est l'absolution de nos péchés, pas la flagellation après tant d'années. Comment voulez-vous construire une nation unie si tout le monde fait ressortir ses mémoires personnelles ? N'y a-t-il pas prescription pour le massacre de la Saint-Barthélemy ou pour le génocide vendéen ? Mais demandons réparation aux Italiens d'avoir envahi la Gaule tant qu'on y est. Comment ferions-nous si chaque Français se réclamait de ses blessures ancestrales ? Il y aurait par exemple le collectif des Bordelais envahi par les Visigoths et les Ostrogoths, la commission Constantinople pour que les Turcs nous rendent Sainte-Sophie ? Le collectif des anciens Templiers pour récupérer leurs dracs en Israël. Et enfin, le collectif Jeanne, au secours ! Non mais, celui-là, il existe déjà. J'ai rien oublié, mais j'ai tout pardonné. N'oublions pas d'où nous venons, mais ne ruminons pas non plus. Signons une armistice avec le passé. Je vais donc vous montrer la voie en pardonnant au jury de m'avoir donné un sujet aussi polémique. Mais fidèle à Kundera,
je ne l'oublierai pas. Sujet d'actualité, doit-on pardonner les oublis de déclaration fiscale ? Il y a certaines choses pour lesquelles il y a prescription. Et malheureusement, si ça fait que certaines années qu'on a fait sa déclaration fiscale, non, non, il ne faut pas pardonner. Sinon, moi, je le fais tout de suite. Hein. Une autre question ? Oui, il y a une variante à cette citation. Oui, oui, vous êtes trompé. Rien ne sera réparé. Absolument, vous êtes trompé. Qu'est-ce que c'est une réparation ? Alors, il y a deux types de réparation. Il y a soit la vengeance, soit le pardon. Les deux marchent, sauf qu'avec la vengeance, on rentre dans une spirale à la Montaigu et à la Capulet, où on risque forcément que ça se termine mal à un moment donné. Mais on peut pardonner s'il n'y a pas réparation ? Le pardon, c'est la réparation. À mon avis. C'est comme ça que j'ai lu la citation. Une dernière question. Oui. Vous faites le deuil le 21 janvier ? Oui. J'y pense. Mais non, j'ai pardonné. Ça va, on va passer à autre chose. Non, non. Je ne vais pas à la messe comme certains le font encore. Une dernière question ? Ah, il y a une question par là-bas. Ça manque de micro, hein, cette affaire. Désolée. Est-ce qu'il y a un livre de Kundera dont vous aimeriez nous parler ? Dont moi, j'aimerais parler ? Alors, j'adore, mais alors j'adore l'insoutenable légèreté de l'être, mais ça va paraître très, très classique ici. Donc j'imagine que tout le monde l'a lu. Vous l'avez sûrement lu. Alors j'ai lu 4 fois, à chaque fois je le relis, j'adore. Voilà. Et vous voulez que j'en parle ? Oui. Oui. En l'ayant lu 4 fois, ça devrait... Oui, bien sûr. Alors moi, j'adore parce que Kundera, il mélange un peu d'histoire, un peu de mélodrame, il mélange du cul aussi, il y a plein de cul dans Kundera, c'est génial. Et puis en même temps, ça nous fait réfléchir, ça nous déprime et ça nous fait rire. Dans l'insoutenable légèreté de l'être, on suit ces personnages qui vont de Prague en Suisse, de la campagne. Et ce que j'adore dans Kundera, la première petite scène dans Kundera, dans le début du livre, c'est cette fille qui vient du milieu de la campagne et elle a appris à lire, elle sait lire. Et dès qu'elle voit quelqu'un d'autre avec un livre, elle a l'impression de faire partie d'une communauté très spéciale, très spécifique, disons d'une petite communauté de gens qui savent lire, qui aiment bien lire. Et j'ai trouvé ça très touchant. Donc maintenant, dès que je vois quelqu'un se balader dans la rue avec un livre, lire dans un parc, voilà, je pense à cette petite tchèque qui avait été touchée de la même manière. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. On accueille maintenant Simon Hervé pour... c'est pas bon le PowerPoint, Nathan, s'il te plaît. Ah, d'accord, c'est pas le bon sens peut-être. Voilà. Pour Le Monde est de taille moyenne. Oyez, oyez, gentes dames et beaux damoiseaux. Bienvenue dans cette ère que moi j'appellerai, en toute humilité, le Moyen-Âge. Bienvenue dans un monde qui, comme son nom l'indique, est de taille moyenne, fait de moyens de paiement, du Moyen-Orient et de moyenne d'âge. Dites-moi, qui peut échapper à cet outil statistique qu'on appelle la moyenne ? Sûrement pas les classes, ni les classes d'école, ni les classes sociales. Sûrement pas vous, sûrement pas moi. La botte de l'ENA est faite du même cuir que la note du Souma. La moyenne contrôle, la moyenne trie, la moyenne triche. La moyenne contribue à ce monde tributaire de l'harmonie. Toute situation est mesurable et prévisible, bien qu'insolite, bien que risible. Tenez, les personnes de petite taille, les nains de leur petit nom, mesurent en moyenne 1m17. La girafe mâle mesure, quant à elle, en moyenne 5m30. Et un nain chevauchant une girafe mâle en point parcourt en moyenne 12m avant de mordre la poussière. Et une fois la savane bien en bouche,
Il reste 32 minutes au nain avant de se faire dévorer, petit à petit, par des hyènes moqueuses. Le festin dure alors 36 secondes, le temps de dresser la table. C'est ce qu'on appelle un fast-food. Repas privilégié. Repas privilégié par l'américain moyen. D'ailleurs, le meilleur moyen de repérer un membre de la classe moyenne est tout simplement d'étudier son appétit, car la faim, nous le savons tous, justifie les moyens. Ce syllogisme machiavélique se retrouve aisément dans plusieurs régions du monde. Pour un Indien, la pauvreté justifie une grève de la faim, et pour un Américain, austète, le diabète est justifié par les brochettes. Certains parleront de profil type par continent. Moi, je n'oserais pas. Mais le fait est que ça existe, que le monde est ainsi féerique. Et tout ça parce qu'il faut se conformer à la norme en permanence. De là à dire que le jeune immigré afghan se noie volontairement en sautant du zodiaque pour faire comme papa, il n'y a qu'un pas. Ou deux. Papa. Qu'un dos crôlé, qu'une brasse coulée. Mais vous voyez l'idée. Il est nécessaire d'être du bon côté, du boudin gonflable, de surfer sur la vague. La tendance, l'exubérant doit rentrer dans le rang. Le dictat de la moyenne, complot de l'INSEE et des médias, aboutit sans nul doute à la massification, à la disparition de l'exceptionnel, fondu quand il existe dans un monde sans envergure. Par exemple, si tu es une fille née en Inde, oui ça existe, alors débrouille-toi le jour de ta naissance pour simuler la bonne excroissance. La moyenne... La moyenne crée un monde sans panache, où l'apanage de l'homme est d'être le type qui ne fait pas d'écart, qui réduit l'écart-type pour satisfaire ce rationnel de Descartes. Mais que dire du génie nié jusque dans ses gènes, car échappant à la règle générale, chante dame, damoiseau, le génie est phénoménal. Il n'y a guère que cet énergumène pour mener la guerre contre l'uniformisation de nos critères. Le génie est art, le génie est rare. Il arbore corps et âme, l'amour de l'inédit et du non-dit. Le génie génère cette envie de se distinguer, d'explorer les faces de l'humanité encore inexploitée. Le génie a cela de beau qu'il ressemble à tout le monde, mais que personne ne lui ressemble. Un Afghan génial, sorti de sa lampe Edouza, tenterait un énorme saut périlleux avant la noyade et les jérémiades. Au diable le diabète, l'Américain mangerait à même les flancs de la pauvre bête destinée aux brochettes. Et oui, le génie est gênant. Partout où il passe, il suscite l'émotion et l'émotion de censure. Le génie n'est pas apprécié ici-bas. Pourtant, le génie est ici. Peut-être assis à côté de vous. Peut-être même avachi en vous, avec une bonne bière en canette, devant un match de cricket. C'est tragique. Mais le génisme social l'a rendu beauf et alcoolique. Il ne tient à vous qu'à vous, pourtant, de le sortir de cette posture morose, de bien frotter la lampe et de faire le vœu d'un monde enfin grandiose. Souvenez-vous bien, si vous osez faire ce souhait, que seul ce génie peut le réaliser, que ce dernier sommeille, tel l'ours lorsqu'il hiberne, attendant son pot de miel et le chant de la sterne, attendant surtout le retour du printemps, la renaissance de la nature, le retour de l'enfance, de l'insouciance vers le futur. Une première question. Vous fustigez très clairement le dictat de la moyenne, mais ne pensez-vous pas qu'il faudrait plus parler du dictat de l'écart-type ? C'est vrai qu'il est extrêmement connu, ce dictat. On parle souvent du dictat de l'écart-type et... ce sale type qui l'a inventé...
avait sans doute dans la tête une vision de l'écart. Qui a la suite ? Une vision de l'écart assez moyenne. Une autre question ? Pensez-vous que ce soir vous aurez la moyenne ? Si je suis noté sur 795 et que la moyenne doit être un chiffre rond, je ne pense pas. Merci beaucoup, Simon. On accueille maintenant Alexandre Chernet pour le sujet « Ce qui a été cru par tous et toujours et partout a toutes les chances d'être faux ». Dimanche soir, 19h, mamie trépigne. Elle allume sa télévision et lâche un habituel « Ah, ce Michel Drucker, si vous saviez comme il était beau à l'époque !»« Tenez, je m'en souviens. Merci mamie, merci, on va y aller !» clame en cœur la clique entière de ses héritiers venus se placer pour l'héritage. « Enfin, ils s'en vont !» Sacrée grand-mère, elle est encore pleine de vie, pensent-ils tous avec un brin de déception. Et chacun, en passant le portail, l'imagine somnolée devant les fauteuils de Vivement Dimanche. Pourtant, aussitôt ses enfants partis, mamie éteint la télé et fonce jusqu'à sa chambre. Elle se change en quatrième vitesse, mini-jupe en sky, décolleté, cuissarde, rouge à lèvres, bracelet à pic. Elle s'asperge de parfum, sort sa Porsche rutilante du garage et démarre en trombe, en reprenant à tue-tête « Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. » Oui, ce soir, et comme tous les soirs, alors que tout le monde la croit dans son lit, mamie sort. Oui, ce qui est cru par tous a toutes les chances d'être faux. Moi-même, j'ai longtemps cru ce que tout le monde, et notamment mes parents, me répétaient, parce que tous semblaient y croire. Ainsi, j'étais, jusqu'à ma première rencontre avec un miroir, persuadé d'être un enfant magnifique. Jusqu'à mon premier devoir, convaincu d'être d'une intelligence supérieure. Jusqu'à mon premier râteau, certain de mon charme infaillible. Et jusqu'au sourire désespéré de mon père, la chorégraphie de ma kermesse me paraissait être la 8e merveille du monde. Ma déception fut immense. Je ne savais cependant pas que bientôt, j'allais vivre la plus grande désillusion de ma vie. Je l'appris très vite. Le Père Noël n'existait pas. Scandalisé, je me fis aussitôt un serment. Du haut de mes 6 ans, j'allais mener la lutte contre le complot mondial fomenté par les adultes. Ma première action fut d'essayer de tirer ma cadette de 3 ans de l'obscurantisme à propos du Père Noël. Je ne reçus comme remerciement que ses pleurs dépités. Mais plein d'espoir, je ne m'arrêtais pas là. Je continuais ma lutte et m'attaquais à l'idéologie de Disney, en distribuant dans l'école primaire des tracts aux slogans forts tels que « Le prince charmant est un mâle blanc, hétéro, cisgenre ». Devant ce nouvel échec, je tentais même un revirement politique, en suspendant, sous le préau, une banderole taguée d'un tonitruant « 7 nains, une femme, les dérives de la loi Taubira ». Hélas, toute mon entreprise fut vaine, car mes camarades étaient trop fortement embrigadés par les idées préconçues. Mais je n'abandonnais pas. À contre-courant de la santé publique, je décidais de ne plus jamais faire de sport et préférer les plats pleins d'épices aux légumes verts bouillis. Pour fuir la Game Boy, je me mis à lire des livres, de préférence gros et ennuyeux. Petit à petit, je troquais mon sweat pour des chemises désiguales. Malheureusement, je me rendis compte trop tard de mon problème. En voulant combattre le conformisme, j'étais devenu un bobo.
Heureusement, beaucoup n'ont pas eu la même trajectoire que moi. Heureusement, quelques personnes pensent qu'on peut aller plus loin que les vérités de tout le monde. Et ces quelques personnes changent notre monde. Quand Einstein décide de ne plus croire dans l'éther, c'est la physique entière qui le suit. Quand Mao décide de ne plus croire dans le capitalisme, c'est un empire qui fait un grand bond en avant. Et quand Claude François décide de se libérer du joug de la sécurité électrique, c'est un pays entier qui pleure. Alors ce soir, prenons notre destin en main et arrêtons de croire bêtement ce que tout le monde a toujours cru. Car lorsque nous nous arrêterons de nous remettre en question, plus rien ne bougera, plus rien ne changera. Fini nos envies de monde plus beau, de monde plus juste. Fini nos rêves d'amour, de gloire et de beauté. Nous deviendrons ternes et insipides. Et le reste sera silence. Révérence gardée envers Paul Valéry, comme disait Brassens. Vous auriez un exemple d'un truc qui a été cru par tous et toujours et partout ? Ça existe, ça ? Si j'étais très mauvaise langue, j'oserais dire Dieu. Et ça a été cru pendant très longtemps et par beaucoup de monde, et pas forcément pour le plus grand bien de tous. Enfin, ça, c'est mon avis, et je rejoins là-dessus mon camarade Théo qui est passé tout à l'heure. Dites-moi si je vous comprends bien, mais ce que vous semblez dire, c'est qu'il faut absolument que le président de la République se représente. Effectivement, ça pourrait être quelque chose en quel personne ne croit et qui pourrait être une très bonne idée. Après tout, pourquoi pas ? Il a encore plein de choses à nous prouver. Après la cravate dans un mauvais sens, après la chapka, peut-être, je ne sais pas, les chemises à la Carlos, ou encore plein de choses. Une couronne pour la galette des rois, un collier à fleurs. Il y a plein de choses à penser. Oui, je pense que ce serait une très très bonne idée. Il n'y a aucune vérité universelle pour vous ? Je pense qu'il n'y a pas de vérité universelle, parce qu'à partir du moment où on essaiera de trouver, où on sera arrivé à cette vérité universelle, plus rien ne bougera, et ce sera plus du tout intéressant de vivre, parce que ce qui est important, ce qui est intéressant dans la vie... Quand vous allez chez un commerçant, il vous demande 3 euros, et vous vous demandez si 2 plus 1, ça fera bien 3 ? Peut-être qu'un jour 2 plus 1 feront 4, peut-être qu'un jour 2 plus 1 feront 5, peut-être qu'un jour un papa et une maman, ça ne sera plus ce qu'il faut pour un enfant. Non, je pense qu'il n'y a pas de vérité universelle. Vous savez qu'il y a une autre phrase de Paul Valéry qui n'a pas été citée ici. Il avait écrit « Ce qui a été cuit par tous et toujours et partout, toutes les chances d'être brûlé ». Qu'est-ce que vous pensez de cette formule ? Je vous avoue que c'est très intéressant parce que j'ai pensé pendant toute l'écriture de mon discours à comment est-ce que je pouvais caser ce jeu de mots et je n'ai absolument pas réussi. Je vous remercie Jean-Marie Donegani de m'avoir permis de la faire parce que je la trouvais vraiment bonne. Merci beaucoup Alexandre. Et on accueille maintenant Martin Mine pour voyager. Est un des plus tristes plaisirs de la vie. Je veux être Indiana Jones ou rien. Voilà, Martin, 7 ans et toutes ses dents. Je veux une veste en cuir, un fouet qui claque, de la chaleur, des chemises trempées de sueur, ouvertes jusqu'au nombril, et des conquêtes à n'en plus finir. Bref, ce qui fait fantasmer n'importe quel enfant normal. Et bien que le temps est passé et que mes fantasmes, à vrai dire, n'aient pas énormément évolué, j'ai réalisé que la vie d'Indiana Jones n'était pas aussi simple. J'ai réalisé que voyager, parcourir le monde, n'est ni aussi facile ni aussi amusant qu'il n'y paraisse. Voyez-vous, voyager n'a jamais été une expérience très agréable. Pour moi, le plaisir s'arrête à peu près aux portes de l'avion. Au décollage, ah mais c'est mon cœur qui s'envole, hein. Des turbulences, ce sont mes nerfs qui turbulent. Et dès lors, rien à faire. Autant vous dire qu'à moins d'une perfusion de Lexomil coupée au whisky, l'angoisse me guettera toujours. Et si seulement
mon calvaire s'arrêtait là. Mais non, une fois arrivé, les locaux incompréhensibles, les routes de terre avec les vaches en plein milieu, des ruines Khmer du 12e siècle partout, les mouches, les 45 degrés à 8h du matin, à l'ombre, l'humidité, d'autres ruines, sans aborder la nourriture, l'eau potable, nulle part, et puis encore des ruines, et puis bien sûr pas de réseau évidemment, et puis toujours ces ruines là, devant lesquelles tout le monde s'extasie parce que forcément c'est tellement des paysans. Non, non, il n'y a rien de pire qu'un voyage. Ma petite nature ne semble décidément pas avoir de limites. Et je ne vous parle pas encore du pire des voyages, celui dont on ne se remet jamais vraiment. Celui qui vous guette tous. Peut-être vous, surtout vous-même. Après tout, ce n'est pas moi qui ai vécu les 60s, Woodstock et la LSD au petit déjeuner dans un café. Finalement, personne ne sait vraiment ce que consomme Françoise Mélognon entre deux pages de Tocqueville. Mais j'en veux bien. Oui, vous l'aurez compris, je parle du plus terrible des voyages, le bad trip. Faire un bad trip, c'est avoir tous les risques du voyage, mais en restant dans son salon. Nausée, solitude, évanouissement, et même mort. Le bad trip est bien la preuve que voyager dans le monde ou dans sa tête est la plus triste chose qui soit. Mais alors me direz-vous, que faire? Va-t-on vraiment cesser de voyager? Certes. Voyager est une expérience parfois douloureuse. Certes, certaines destinations sont plus risquées que d'autres. Enfin bon, là, en même temps, personne ne va vous proposer des packs découvertes Raqqa Mossoul, des treks chez les FARC, ou des tarifs réduits sur le prochain Drancy-Pologne. Et puis, quand Germaine de Staël dit que voyager est l'un des plus tristes plaisirs de la vie, n'oublions pas qu'elle revient quand même de 10 ans d'exil. En Prusse, puis en Suisse. Alors, l'un dans l'autre, on peut comprendre que, dans sa situation, il est plus trépidant que de voyager. Non, en vérité, si voyager est parfois difficile, c'est aussi avant tout formateur. Voyager, c'est être un Magellan, naviguant vers des horizons incertains. Voyager, c'est se lancer sur la route de Compostelle ou de la Mecque, à la recherche d'un absolu qui nous dépasse. Car au fond, voyager, c'est faire le choix douloureux mais essentiel de grandir. Moi-même, j'ai appris de mes voyages. J'ai appris à changer d'univers. J'ai découvert. J'ai appris à affronter mes peurs. Et surtout, j'ai appris que prendre l'avion, ce n'est pas si terrible que ça, même en classe éco sur Malaysian Airlines. Alors, si partir, c'est mourir un peu, voyager, c'est pourtant vivre beaucoup. C'est vivre intensément, au mépris parfois de nos préjugés et de nos angoisses. Alors partez, hors la salle, tous maintenant. Voyagez, voyez, voyez le monde tel qu'il est, de vos propres yeux. Et n'oubliez pas, quand tout va mal, quand tout semble perdu, il suffit parfois, comme Indiana Jones, de s'envoyer en l'air. Bon, on a compris que vous n'aimez pas la Prusse, mais vous seriez plutôt voyage en Orient ou voyage en Italie? En ce moment, l'Orient, c'est pas forcément la destination idéale, donc je crois que je vais me cantonner au grand tour. Il y a bien la petite mort. Une autre question? Eh bien, merci Martin. Et on accueille maintenant Thibaut Genouville. On est un peu l'esclave des rêves qu'on a faits. J'avais ouvert un bouton, puis deux, puis trois.
quatre bombes de lac avaient eu raison de mes dernières mèches rebelles. Et, d'un pas fier, altier, j'avançais en mordillant les branches de mes plus belles rébanes. Aujourd'hui, quand Sœur Françoise me le demanderait, j'oserais répondre. Mon heure était arrivée, l'heure d'assumer mes rêves. Et, comme tous les matins, elle se pencha vers moi et me demanda. Et toi, Thibault, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Fier et décidé, je pouvais enfin assumer. Plus tard, je veux être Bernard-Henri Lévy. Ce n'était pas un rêve très facile à avouer dans la prestigieuse institution Sainte-Geneviève où chacun faisait des rêves de son âge. On a des rêves plutôt simples quand on a 6 ans. Philippe voulait être PDG de Monsanto, comme son père. Jean-Eudes voulait être contrôleur de gestion, comme son père. Louis-Marie, lui, souhaitait devenir prêtre, comme son père. Et puis Kevin, atterri à Sainte-Geneviève un peu par hasard, souhaitait boire, comme son père. Mais, mon aveu à moi fut à l'origine d'une longue et douloureuse série de souffrances. BHL de la cour de récré, je devins l'alibi pour tous leurs supplices. Les moqueries, les coups, les goûters volés. Supplice ultime, on m'a crucifié au tableau et forcé à regarder des photos d'Ariel Dombal. Au Crazy Horse, complètement nu. Mais même crucifié, il faut imaginer Thibault heureux, le sourire aux lèvres. Esclave de mes rêves, j'étais heureux car je les vivais enfin pleinement. Je les incarnais. Heureux car j'étais soumis à mes rêves. Bien plus que les rêves, c'est de leur être asservi, de se battre sans trêve et sans espoir pour qu'ils se réalisent, qui nous dirige. Comme toi, Martin, j'ai fait un rêve. Je rêve d'être Alexandre, empereur et héros. Je veux être Achille et voir succomber Troie, être Napoléon et venger Waterloo. Je veux de la passion, des larmes et des éclats. Je veux marquer l'histoire, mais aussi la transmettre. Je veux aimer ma femme, pouvoir mourir pour elle. Je veux rentrer le soir, voir mes enfants grandir. Je veux être César le jour, Père Castor le soir, et la nuit, Rocco Siffredi. Le constat est fait. J'étais, je suis, et je demeurerai un éternel soumis. Un gros soumis. Un soumis à mes rêves, dont je poursuivais la quête aveugle, en priant pour que jamais, au nom grand Dieu, jamais, il ne puisse se réaliser. Le rêve est cette lumière faible, vacillante, que le simple souffle du conformisme, de la résignation et d'un bonheur prémâché peut éteindre. C'est cette lumière en nous qui pave notre chemin et nous guide en terre inconnue. Veillons à ce que jamais elle ne s'éteigne. Poursuivons-la, inlassablement, chaque instant de nos existences. Échappons à l'obscurité aveuglante de nos quotidiens tout tracés. Partons ensemble, follement, assurément, obstinément, atteindre l'inaccessible étoile. Vous cherchez là des choses bien profondes en moi, puisque les rêves que j'ai faits, les grands rêves, les plus petits rêves, les moyens rêves que j'ai pu faire, m'ont toujours guidé. Aujourd'hui, si je rêvais que vous me posiez une question, si intéressante soit-elle, c'est peut-être de lui, le soir. En le regardant de mon campus de Reims, je le voyais se trémousser dans l'amphiboutmie, et je rêvais un petit peu que certains rêves puissent se conclure aussi. Bah, je crois que je vais passer le micro à mon voisin de droite.
Mais c'était pas contre vous, hein, c'était pas contre non, vous. Non, mais je le prends pas du tout comme ça. Je voudrais pas qu'un fantasme s'arrête en si bon chemin. Non, mais un fantasme doit surtout pas se réaliser, donc je pose pas de questions. Alors, je reprends le micro pour vous demander, est-ce que la liberté, finalement, ce n'est pas celle de choisir ses maîtres ? J'aimerais que Pierre-François soit mon maître. Mais je ne pourrais peut-être jamais le choisir. Et je pense que, justement, c'est la beauté de la chose et c'est la beauté de la liberté. C'est que, justement, j'ai la chance ici d'avoir un jury d'exception. Il n'y a pas que Pierre-François, même si il y a quand même Pierre-François. Et la liberté, pour moi, c'est justement de n'avoir ni Dieu ni maître. Vous avez fait une très jolie description de vous-même en César le jour, Père Castor le soir et Rocco Siffredi la nuit. Je suis content que ça vous ait plu. Oui, beaucoup. J'espère que ça a plu à Pierre-François aussi. Oui, il s'est aussi tout de suite reconnu. Ma question est la suivante. Sûrement dans Père Castor. Absolument. Et peut-être même la troisième catégorie. Mais la femme de vos rêves, à quoi ressemblerait-elle le jour, le soir et la nuit ? Mais alors, qui... Enfin, j'ai cru être plutôt explicite. C'est pas une candidature. Je suis content que vous me portiez un certain intérêt, même si c'est pas forcément réciproque. Vous avez le droit d'être galant. Je le ferai donc. Et moi, je tenterai. Coucou, Père François. Qui vous a dit que dans mes rêves, il y avait une femme ? C'est un petit peu un papa, un maman, les enfants. On y va tous. Hein ? Ce garçon ou ce chien, à quoi ressemble-t-il ? Alors, traiter Pierre-François de chien en public, là, c'est très fort. Parce que, d'accord, il est velu, d'accord, il a une grosse barbe, mais un chien quand même. Là, vous avez fait fort. Surtout en étant sa voisine. Je pense qu'on va s'arrêter là, Thibaut. Et maintenant, on accueille Lola Elbaz pour le sujet « Nul ne ment autant qu'un homme indigné ». Nous avions le droit moral, nous avions le devoir envers notre peuple de tuer ce peuple qui voulait nous éliminer. Tonnerre d'applaudissements, décidément, Himmler, les discours, il adore ça. Convaincu, révolté, il a tout donné. Mais maintenant, il ne cherche plus qu'une chose. Une seule et unique chose dans cette foule de dignitaires nazis, ce sont ses yeux. Ses yeux qui le soutiennent depuis le début. Ses yeux qui entourent ces nuits de leur brouillard, les yeux de Margaret Bowden. Les voici enfin, il l'attire, telle la chaussette blanche dans la Birkenstock. Immédiatement, il lui demande « Margaret, comment étais-je ? Merveilleux, Heinrich, tu as été merveilleux. » Nul ne ment autant que l'homme indigné, excepté sa femme. En fait, la femme indignée ment bien plus que l'homme. C'est juste qu'on s'en rend moins compte. Et oui, c'est ça le talent. Tenez, prenons Pénélope. Pénélope, reine d'Ithaque. Pénélope, l'indignée, qui décidait à ne pas céder au mariage, défait chaque nuit la tapisserie qui l'en rapproche. Eh bien, Pénélope, qui, elle, fait les 35 heures en une journée... Pénélope ment. Le jour, elle ment à ses prétendants en brodant ses promesses. La nuit,
Elle ment à Ulysse en lui contant dans ses rêves son retour sans cesse. Elle ment pour la bonne cause, parce qu'elle ment pour elle. Elle ment pour rester reine, pour goûter au plaisir du pouvoir, pour profiter enfin des charmes de la Grèce, car, on va se l'avouer, entre broderie et sodomie, il n'est jamais question que d'aiguilles. Pénélope, c'est un peu mentir plus pour gagner plus. Alors vous vous demandez, quel est le plus beau mensonge indévoilé de la femme indignée ? Eh bien, c'est tout simplement d'avoir fait croire à l'homme qu'il était supérieur. Soyons honnêtes, un homme devient généralement fréquentable à 70 ans et impuissant à 71. Il reste donc un an pour profiter, reste à espérer que ce soit une année bissextile. Au fond, c'est presque trop facile. Un homme, c'est trop crédule. Enfin, mesdames, il va falloir se l'avouer, nous n'avons absolument pas besoin d'eux. On a déjà envoyé un homme sur la Lune et personnellement, je comprends pas pourquoi on n'a pas continué. Le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que les femmes font généralement mauvais usage de leur indignation. La femme indignée, dans notre société, dérange. Et alors que les hommes disent sans gêne tout ce qui ne va pas chez les femmes disent sans gêne tout ce qui ne va pas chez les femmes aussi. Résultat, les femmes indignées se mentent à elles-mêmes. Moi-même, par exemple, je me vante de fréquenter un homme gentil, drôle, intentionné, philanthrope, un peu myope, alors qu'au fond, je sais pertinemment qu'il est homosexuel. Et c'est pour ça qu'il faut recréer notre solidarité féminine, avec pour seul et unique moyen d'action, le mensonge. Il faut convaincre toutes les femmes, absolument toutes, même ma cousine ashkénaze ultra pratiquante, celle du marais et pas du sentier, qui passe sa journée enfermée à s'occuper de sa portée. Parce que oui, à ce stade, ce n'est plus de l'éducation, c'est de l'élevage. Il faut se mobiliser, parce qu'il n'est pas trop tard. Parce qu'une femme indignée, ou même quatre, n'est pas là que pour faire de beaux discours. Alors, mesdames, les filles, Françoise, indignons-nous. Un mensonge si je veux, un mensonge quand je veux. Qu'est-ce qui vous indigne le plus ? J'ai beaucoup parlé des hommes. On va penser que c'est une obsession. Donc je vais sans doute m'arrêter là. Ce qui m'indigne le plus, c'est les promesses non tenues. Et peut-être au-delà, le fait de compter quatre femmes dans une demi-finale. Quel est votre plus beau mensonge ? Oula ! Vous le voulez par ordre alphabétique ou chronologique ? C'était super. Une dernière question ? Vous m'avez tendu la perche pour la dernière question. Si j'ose dire. Est-ce que les hommes simulent ? On parle de rythme, parce que je suis assez mauvaise en musique, j'ai pas vraiment l'oreille musicale, mais d'expérience, je pense que ça... Stop. C'est de la simulation. Merci beaucoup, Lola. Et c'est maintenant au tour de Benjamin Duhamel pour le sujet. Il ne suffit pas d'avoir de l'appétit, il faut aussi avoir de l'estomac.
3 mètres. Lucas, 2 mètres 09, fonce sur moi. Il s'apprête à me plaquer. J'ai envie de lâcher la balle et de rentrer pleurer dans les jupons de ma mère. Mais je tiens bon. Je ne suis pas de ceux qui quittent le navire pendant la tempête. 2 mètres. Quand il a fallu choisir les équipes, tous mes amis ont été sélectionnés. Sauf Marc et moi. Marc est dans un fauteuil roulant. 1 mètre. Ma vie défile devant mes yeux en une fraction de seconde. Je me souviens alors des paroles de ma mère. Benjamin, avec ton physique, t'as à peu près autant de chances de gagner un match de rugby que Dieudonné de s'installer à Tel Aviv. C'est dire si j'étais condamné. Et là, c'est le choc. Je suis éparpillé face en puzzle. Face à l'ampleur de la catastrophe, le GIGN est sommé d'intervenir. On me ramasse à la petite cuillère. En dépit de cet état d'urgence, je ne peux pas m'empêcher de sourire. J'ai mal. Et pourtant, je suis hilar. Moi, Benjamin, 1m50, 94 kilos, je n'étais pas fait pour le sport. Mais j'ai tenu, jusqu'à l'impact. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment pris mon pied. Il suffit amplement d'avoir de l'appétit. Vouloir, c'est refuser la vie telle qu'elle nous est donnée. Qu'importe votre physique, vos capacités, la couleur de vos yeux, ce n'est pas le tour de taille qui compte, mais ce qu'on en fait. L'appétit de la vie, l'appétit du pouvoir est toujours le meilleur des moteurs. Chaque destin peut être bouleversé à grands coups de vouloir. Vous imaginez Rastignac s'écrier « à nous de maintenant » puis rentrer chez lui en province parce que sa mansarde n'est pas éligible aux APL. Franck Ribéry renoncer au prix Goncourt tant mérité parce que non, reviendre n'est pas un verbe du troisième groupe. À tous les pessimistes estomaqués, les moralistes éberlués et les cyniques désabusés, j'oppose un appétit rablaisien, gargantuesque, pantagruélique. Soyez de bons chrétiens et multipliez vos pains. Devenez royalistes et mangez de la brioche. Prenez exemple sur les animaux de l'arche de Noé, affamés sur la mer, regrettant leur insoutenable légèreté de paître. Si l'appétit vient en mangeant, la réussite vient en désirant. En se fiant à son estomac, Christophe Colomb aurait tout au plus navigué sur le lac d'Annecy pour un tour en pédalo d'une rive à l'autre. Pasteur, lui, aurait conseillé à ses patients de tester l'homéopathie ou une bonne tisane contre la rage. Tenter l'impossible, c'est être dans l'incertitude. On ne sait jamais si la réussite est au bout du couloir. Mais l'important, ce n'est pas la destination. C'est le voyage. Bien sûr, pour certains, l'échec est inéluctable. La grenouille sera rarement aussi grosse que le bœuf. Mais c'est bien plus beau. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Avec panache, tout revers peut devenir magnifique. Et nous adorons les superbes perdants, les éternels seconds. Raymond Poulidor et le Tour de France, Salieri et la symphonie, Marc Dutroux et la puériculture. L'appétit, c'est croire en un regard qui dit oui, même si son alliance dit non. L'estomac, c'est se dire que c'est perdu d'avance, qu'elle est vraiment trop belle. L'appétit, c'est demander sa main, malgré tout. L'estomac, c'est se contenter de la sienne. Moi, l'appétit ne m'a jamais quitté. Je désire toujours tout savoir, tout connaître, tout découvrir. Donnez-moi la richesse et je voudrai la liberté. Promettez-moi l'ivresse et j'attendrai la lucidité. Quand j'obtiens ce que je veux autre chose. J'ai toujours et encore les yeux plus gros que le ventre. Alors, quand les autres seront rassasiés par les compliments, par la servitude et par le temps qui passe, je serai toujours là. Boulimique d'envie, le ventre noué par l'espoir, je vaincrai. Et de mes adversaires, ne ferai qu'une bouchée.
la grande bouffe de Ferreri. Alors, c'est amusant parce que mon petit frère, avant ce discours, d'ailleurs il doit me regarder, il doit bien rire à ce moment-là, m'a donné un conseil: si on te parle d'une référence que tu ne connais pas, fais ce qu'on apprend le mieux à faire à Sciences Po, c'est-à-dire parler pour ne rien dire. Donc je crois que c'est ce que je suis en train de faire. Je peux continuer assez longtemps comme ça, l'entraînement est normalement assez bon, et donc je ne l'ai pas vu, mais je serais très heureux de le voir avec vous, parce que j'ai compris qu'on avait un tropisme pour Pierre-François ce soir. Personne ne vous a proposé un Netflix and chill avec Jean-Marie Danogany. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je serais très heureux, voilà, de le voir avec vous. Si j'ai bien compris, il faut avoir les yeux plus gros que le ventre. Vous vous êtes jamais arrivé de dire « Non, chérie, ce soir, on fait une pause juste deux minutes. » Alors, les yeux plus gros que le ventre, étant un ancien enfant en surpoids, 94 kilos, j'en ai parlé dans mon introduction, c'était assez rare d'avoir les yeux plus gros que le ventre pour moi. Faire une pause de deux minutes, vous savez, quel temps perdu déjà, et sachant que c'était à peu près la moyenne pour chaque rapport, pour moi c'était compliqué. Merci beaucoup Benjamin. Et on accueille à présent Maëlie Piederrière pour le sujet... Le courage n'est pas une vertu, mais une qualité commune aux scélérats et aux grands hommes. Dehors, le ciel est sombre et furieux. La tempête s'abat avec fracas sur les vitres de son appartement. Dans son fauteuil de velours carmin, elle reste concentrée, scrutant avec attention trois grands écrans où des chiffres s'agitent et des courbes se tordent. Aujourd'hui, c'est la reine du pétrole. Elle contrôle plus de la moitié du marché immobilier parisien et multiplie les audaces. Entre contrats frauduleux, ententes dangereuses et fusions-acquisitions litigieuses. Plus le péril est grand, plus doux en est le fruit. À côté d'elle, Balkany, c'est un petit joueur, et le loup de Wall Street garde bien sagement la queue entre les jambes. Même lorsqu'elle consent à céder l'hôtel de l'artillerie à une grande école parisienne, ça n'est pas sans réaliser une marge absolument indécente. Et l'adrénaline montait sans s'arrêter à mesure que son emprise grandissait. Mais... dans sa folie des grandeurs, elle ne réalisa pas tout de suite qu'elle était allée trop loin. Entre les détournements de fonds et les blanchiments d'argent, les dés étaient jetés. L'expédition tourne court, on la dénonce, c'en est fini. Allez en prison. Ne passez pas par la case départ. Décidément, le Monopoly, c'était pas pour Maëlie. Et pourtant, elle n'aura pas manqué d'audace, de caractère et d'hardiesse. Non, le courage n'est pas l'apanage des vertueux. Ne le réduisons pas à la médiocrité du bien. Laissons-nous libres, au contraire, de servir toutes les causes, bonnes ou mauvaises, morales ou dépravées, divines ou profanes. Jésus, ce hippie aux cheveux longs, en avait autant sous la toge que Dracula sous la dent. Et c'est précisément parce que le courage est aveugle qu'il ne sait distinguer le bon du mauvais. Escroc ou héros, la dope, c'est la même. D'ailleurs, Jack l'éventreur vous dira bien mieux que moi qu'il faut avoir des tripes pour enlever celles des autres. Mais ce n'est pas tout. Si le courage a quelque chose de suspect, de péremptoire, de théâtral, c'est qu'il est toujours égoïste. Achille était un brave parmi les braves. Mais pensez-vous qu'il était courageux pour la beauté du geste? Non. Il faisait ça pour la gloire, les femmes et les pépettes. Nous goûtons seuls les fruits de notre bravoure. Et vous savez comme moi qu'après avoir enduré 20 minutes de discours sur les pauvres, les enfants, les malades, les moches et la faim dans le monde, donner à l'UNICEF, c'est d'abord se donner bonne conscience. Et puis, de toute façon, le courage collectif, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'ardeur solitaire et virtuose qui entraîne avec elle les meilleurs et les pires. Emplie de cette force impérieuse,
Les grands hommes parviennent à l'impossible. Les miséreux supportent l'insupportable et les voleurs de poules dévalisent nos poulaillers. Dans un même souffle, le courage lie le bandit et le génie. On les confondrait presque. Au bout du compte, puisque le courage sert le vice autant que la vertu, n'ayons pas peur d'en abuser. Et si votre vie est un tableau, ne laissez pas la toile vierge de peur de la tacher. Saisissez le pinceau. Tracez avec fougue votre dessin. Faites chatoyer les couleurs, chanter les ombres et danser les lumières. Osez, bravez, entreprenez, échouez, affrontez. Que le courage vous affranchisse de toutes les limites, qu'importe où cela vous mènera. Alors, appelez-moi truand ou génie, à votre guise. Mais si ce sont les seuls à tenter les coups de poker, c'est à mon tour de faire tapis. Des questions ? Est-ce que vous pensez que le courage pourrait être aujourd'hui de devoir choisir entre la gloire, les femmes et les pépettes ? Bah, je pense que justement, le courage, c'est de ne pas choisir. C'est d'engloutir tout à la fois. Et Benjamin parlait justement d'appétit. Et je pense que être courageux, c'est avoir l'ambition d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Merci. C'est quand même pas tout à fait pareil. Qu'est-ce qui est plus important pour vous, d'avoir du courage ou de l'appétit ? Écoutez, je pense que j'ai bien expliqué, le courage c'est primordial. Il vous permet vraiment d'aller très loin, de réaliser plein de belles choses, et puis après tout, même si on ne les réalise pas, c'est pas grave, parce qu'au moins on a essayé. Merci beaucoup Maëlie. Et à présent, on accueille Aubin Becker pour le sujet « J'aime bien les histoires qui finissent mal, ce sont les plus belles, car ce sont celles qui ressemblent le plus à la vie. » Don Juan, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à la foudre. Ça va mal finir cette histoire. Mais cette fin grandit l'homme et embellit le malheur. Ce sont les baroques et les romantiques, les incompris de l'histoire, qui avaient donc raison. Finalement, c'est comme les militants qui occupent Sciences Po, tous s'y essayent, beaucoup y voient la lutte finale, peu savent pourquoi. Ça va vraiment mal finir cette histoire. La beauté, l'acte de bravoure, c'est de tenir, c'est l'œuvre d'une vie. Sublimer le malheur est le moyen d'accepter la défaite. Les chants malheureux ne sont-ils pas les plus beaux ? Oui, la vie est une tragédie. Quel malheur que la vie, mais quel beau malheur ! Même si la guerre sera perdue, ce sera beau, écrivait le général prussien von Falkenhayn, qui a gorgé de sang les tranchées de Verdun. La beauté à tout prix n'est finalement que l'apanage de ceux qui peuvent se le permettre. C'est une posture d'aristocrate. La vie est une tragédie. Oui, car elle se finit mal. Mais on peut mal finir sans avoir eu le temps de contrer la tendance, de forcer le destin ou d'inverser la courbe. Dans un an, le glas sonnera dans les urnes. L'aventure n'aura duré que 5 ans, 5 belles années en somme. Mais la fin du règne est proche. Car oui, la vraie beauté, c'est surtout quand ça finit mal pour les autres. Ce qui compte, ce qui reste, c'est la beauté. Le malheur des uns est si beau, car ne vous y trompez pas. Celui-ci fait le bonheur des autres. Moi-même, je me complais dans la contemplation, sans ambition. Tant que ça finit mal pour les autres, ça me va. Car qui peut se targuer d'aimer pour sa propre histoire une mauvaise fin ? C'est bien là l'idée. La vie sans danger n'est pas belle. Moi-même,
Je suis très averse au risque. J'ai peur de tout, et même de rien. En réalité, plus ça se finit mal pour les autres, plus c'est beau. Car c'est comme ça que les perdants refont les histoires. D'ailleurs, les histoires qui finissent mal, sont les plus belles. Les plus grandes œuvres ont mal fini. Andromaque, en qui la solution au dilemme ne sut prendre racine. Le père Goriot, trop honoré de mourir pour ses filles. Lorenzaccio lui-même meurt pour nous amuser. Madame Bovary, qui dut mourir en Normandie. Le voyage au bout de la nuit. Bon, là, je sais pas, il y a quand même 600 pages, faut pas abuser. Mais vu le titre, je dirais que ça doit pas être joli. Ceci dit, on peut parfaitement vivre heureux sans culture, ne vous inquiétez pas. Pour faire plaisir à monsieur, prenez alors Claude François, une belle vie qui, comme d'habitude, finit survoltée. Y a-t-il une fin si belle et tragique que celle entamée par Marx dans le Manifeste ? Y a-t-il histoire qui n'ait jamais plus ressemblé à la vie ? 150 ans après Marx, le monde libre, d'une chic node, écrivait la fin de cette aventure. Et quelle aventure ! Oui, les histoires qui finissent mal ressemblent à la vie. Et parfois, même à ma vie. Non, je ne parlerai pas de mon enfance. J'essaie d'innover. Mais sous cette armure, il y a un homme sensible. Il y a un homme, disais-je, et il y a une grandeur dans l'échec. Il y a une dignité dans le malheur. Aimer la chute, c'est être réaliste. Faillir, tomber, c'est le sort des communs. Vous savez, je viens de la région nouvellement nommée Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Je sais donc autant que d'autres, qui ne sont pas ici d'ailleurs, que briguer le conseil régional avec l'investiture UMP-Cevipof, c'était déjà une œuvre de vie. L'important, c'était de participer. Oui, je suis pessimiste. Un décliniste, je suis un défaitiste, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Adolphe Thiers, lui-même, disait « Il faut tout prendre au sérieux, mais rien au tragique. » Effectivement, on voit ce que ça a donné. Vous n'aimez pas les fins, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants ? Une bonne fin, c'est pour les faibles, c'est mièvre. Et le petit chaperon rouge doit être mangé par le loup, alors ? Ben, c'est comme ça que ça s'est passé, n'est-ce pas ? C'est quoi votre Disney préféré ? Je dois avouer que c'est pas ma culture. Mais... Non, je ne les connais pas. Je vois que la question se veut habile, mais je ne pourrais pas répondre. Merci beaucoup, Aubin. On accueille Romain Souchois pour La décadence et la grande minute où une civilisation devient exquise. Bonsoir au jury, bonsoir au public, bonsoir aux gens qui nous regardent sur l'internet. 20h50, Sciences Po TV, cette école me fascinera toujours. La décadence est la grande minute où une civilisation devient exquise. D'entrée, je remarque que pour décrire cette grande minute, vous en avez donné 4. N'arrivant pas à la cheville de Jean Cocteau, c'est un geste honorable et clairvoyant de votre part. Décadence. Comment définir la décadence ? Est-ce un nivellement par le bas ou l'expression d'un péché capital ? Est-ce la rumeur d'une société amoraliste et friable ou le jouissement compulsif d'un esthète ? Hanouna ou Oscar Wilde ? Carthage, Rome nous l'enseigne très justement, où on la voyait s'infiltrer subtilement dans les affres du pouvoir et de l'élite. Mais finalement, qui mieux que nous pouvons définir ce qu'elle est vraiment ? Pas besoin d'étendre son impact sur celui de la civilisation, restons-en au constat, celui de notre société. Une société qui part à volo, une société où tout s'écroule, où tout part en fumée. Les exemples sont nombreux. Tenez hier soir. Hier soir, pour Salah Abdeslam et ses petits camarades de l'État islamique,
ainsi que quelques groupes de beatniks bobo-véganes, vin rouge et planches de charcuterie, je campais fièrement à la terrasse d'un café du 16e arrondissement. J'étais décadent. Ce même quartier qui va devenir dans quelques semaines le tout nouveau lieu de villégiature, de réfugiés et de sans-abri. Ce quartier symptomatique de la décadence contemporaine, non mais je veux dire contraindre les habitants de ce quartier difficile à vivre aux côtés de ces plaisanciers qui ne payeront même pas leurs taxes d'habitation, je ne parle même pas de l'ISF, en plus d'être un choc de civilisation, c'est carrément décadent. Vous imaginez, des cadences de nouveaux arrivants et pas même une fête des voisins. Vraiment, nous perdons nos manières. Imaginez deux secondes, Claude Goisguen, le maire du 16e, Clo-Clo, organisant un barbecue gigantesque de la fraternité, boulevard Exelmans. Une réception à en faire pâlir la fête de l'humanité, à l'heure où d'ailleurs Renault appelle à voter François Fillon. Vous l'avez l'image, Clo-Clo Goisguen, ses poignets mousquetaires retroussés, Stan Smith aux pieds, les mains luisantes de graisse alternant chipot et merguez halal, pour satisfaire toutes les exigences de ces nouvelles communautés. Ce même boulevard Exelmans, qui, je le rappelle, était connu autrefois pour avoir eu l'honneur, je dis bien l'honneur, d'avoir comme résident un certain Claude François. Anne Hidalgo nous avait prévenus. Elle nous avait prévenus, oui. Elle avait fait campagne en 2014 pour un Paris qui ose. 2016, on y est. On est dedans. Elle a osé, elle a réussi. Boulevard Exelmans, après Clo-Clo et ses Claudettes, voici Clo-Clo et ses Clodo. Vous vouliez de la décadence ? Vous voilà servi. Notre société est décadente. Mais il ne s'agit pas de la décadence dont parlait Jean Cocteau. L'idée de décadence présuppose une apogée, un âge d'or, dont on prendrait tellement l'habitude qu'on ne remarquerait pas la lente décomposition. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la vermine n'attaque pas le sommet. Elle s'attaque à la base. En cette période de difficultés et d'incertitudes, notre monde semble amplifier la perception de la décadence. J'en suis premier acteur. Être là devant vous à m'amuser, à essayer de vous amuser, à moquer de ces situations, contribue à appuyer là où ça fait mal. Mais par facilité. Par facilité sans le soigner. Sans le soigner, je le concède, peut-être un peu par lâcheté. Il n'y a pas de journée sans scandale médiatique, sans polémique ni invective moralisante. Déclin, me direz-vous ? Apocalypse ? Il semblerait qu'il n'y a pas de société décadente à notre époque, mais qu'il y ait de la décadence dans notre société. Dès lors, en quoi cette grande minute peut-elle rendre exquise une civilisation sur le point de disparaître ? Ce qui la rend exquise, c'est que tout peut basculer. Arnold Joseph Toynbee rappelait à juste titre « Les civilisations ne meurent pas assassinées, elles se suicident ». Le drame de notre temps. Le drame de notre temps, comme disait Jean Cocteau, c'est que la bêtise se soit mise à penser. Voilà la décadence. La décadence contemporaine n'est plus aussi exquise que le fantasme de ses aînés, romaines ou carthagènes. Alors pour elle, cher jury, cher public, je vous propose d'offrir à la décadence de Jean Cocteau une petite minute de silence. Merci. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que le mot exquis appelle une gourmandise intense, hein, précieuse. Est-ce que vous connaissez, par exemple, la gourmandise d'un monsieur qui s'appelait Des Esseintes ? Non. C'est un monsieur décadent. D'accord. Qui vivait à la fin du siècle dernier. Et je... Jean Cocteau nous a montré que le drame de notre temps, c'est que la bêtise se soit mise à penser. Je viens de vous montrer peut-être que le drame de cet instant, c'est qu'elle puisse également parler à haute voix. Et encore un mot. C'est quoi une grande minute pour vous ? J'essaye un peu de la matérialiser, mais... bah écoutez, vous me demandez de qualifier une grande minute. Je ne la qualifie pas, je la disqualifie. Une autre question ?
Non, bah très bien. Merci beaucoup, Romain. Merci, merci. Et on accueille maintenant Aziz Essid pour le sujet « La nature est une puissance et sait se montrer servile que d'accepter la puissance ». J'étais assis. J'étais dans une salle sombre, entourée de monstres gluants. J'étais assis, scrutant leurs moindres faits et gestes, tous plus intimidants les uns que les autres. J'étais pétrifié. Le battement de mon cœur était infernal. Parmi les monstres, l'un était plus grand, prêt à ne faire qu'une bouchée de moi. Il était au centre. Son regard se poserait bientôt sur moi. Bref, j'étais en classe. Et j'avais peur de mes petits camarades. Ils couraient dans tous les sens, parfois derrière un ballon. Trapus, laids et diaboliques, ils se tenaient par la main et jouaient à la corde à sauter. Quels abrutis! J'avais peur de tous ces petits êtres mouvants. Je voulais tous les mettre en cage et devenir seul au monde. Oh oui, le meilleur des mondes possibles. Mais malheureusement, j'étais obligé de vivre parmi les hommes, en société. Alors parfois, j'essayais de socialiser, de me faire des amis. L'homme est un être social par nature, n'est-ce pas? Mais à peine avais-je entamé la discussion que mes éphémères amis me tournaient le dos et allaient vaquer à leurs occupations plus importantes. Alors, on s'inquiétait pour moi. Et même une fois, on m'emmena voir le médecin de la tête. Il me dit que dans la complexité des interactions sociales, j'étais en quelque sorte un animal politique. La politique en moi. Plus important encore, il me fit réaliser le vrai problème qui se posait à moi, et peut-être même à certains d'entre vous. La vraie question n'est pas, comme le pensent certains, de savoir si la nature nous rend serviles ou forts. Quand on y réfléchit, l'homme a déjà maîtrisé la nature. Ce n'est pas la puissance de la nature qui nous affaiblit et nous asservit, mais bien au contraire, c'est l'homme qui domine la nature. L'homme a gravi les montagnes, il s'est hissé au sommet de la chaîne alimentaire et s'est même permis une escapade sur la Lune. Allez visiter n'importe quel zoo. Vous y verrez l'expression, mais la plus évidente, de l'hégémonie de l'homme sur la nature. Tenez, lorsque vous jetez des cacahuètes aux babouins, ce n'est pas par compassion, mais bien parce que vous voulez humilier, rabaisser la petite créature qui se jettera à vos pieds pour quelques miettes. Oui, nous nous sommes émancipés de Dame Nature, nous l'avons maîtrisée et dominée. En réalité, la vraie question, le vrai combat, il est contre la nature humaine. La nature humaine, c'est ce qu'il faut combattre, c'est ce qu'il nous faut nier, non pas par lâcheté, mais bien par courage. Oui, il suffit de s'arracher à ses instincts naturels pour que tout devienne possible. Il suffit d'aller au-delà de notre condition première pour que nos rêves deviennent la réalité. J'ai peur, mais en même temps, je dois montrer au monde que je ne me résume pas à la silhouette frêle et silencieuse que j'affiche. Si je ne faisais pas l'effort de changer, si là, devant vous, je n'osais pas prendre la parole et vous dire ce en quoi je crois, alors ma vie serait vide de sens et je me contenterais de vivre, puis d'exister, puis de périr, sans avoir en rien contribué à l'œuvre humaine. Car finalement, peu importe la nature de nos vices les plus inavouables, que nous soyons agoraphobes ou que nous ayons peur du vide, cela importe peu. L'essentiel, c'est que nous incarnions le changement que nous voulons voir dans ce monde.
Et c'est quoi le changement que vous voulez voir dans ce monde ? Bah, si vous voulez, le changement, c'est le dépassement de soi. Vous savez, le dépassement de soi, c'est un concept un peu bobo, en somme. En quelque sorte, vous pourriez vous dépasser vous-même et ensuite aller faire du yoga, ça serait totalement cohérent. Non, mais concrètement, parce que déjà, il y a des Syriens qui meurent, il y a des choses graves qui se passent. Vous voulez changer quoi dans le monde ? Nous-mêmes, non pas la nature, non pas par l'écologie, non, rien de cela. Ce qu'il faut changer, c'est nous-mêmes, c'est nos appétits, c'est notre condition. En quelque sorte, pour être plus concret, en tant qu'orateur, le changement serait de passer de Nadine Morano à Charles de Gaulle. C'est ça le changement. Une autre question ? Pardon, je suis désolé, je suis membre du fan club de Nadine Morano. Qu'est-ce que vous avez contre ma chérie ? Écoutez, j'aime beaucoup Nadine Morano, non ? Pas que j'ai un problème avec elle, mais bon, Nadine Morano, Charles de Gaulle, bon, voilà, il y a un équilibre. Merci beaucoup, Aziz. Et maintenant, nous accueillons la dernière candidate de la soirée, qui est Salomé Le Croc, pour le sujet... L'oubli de ses propres fautes est la plus sûre des absolutions. J'en ai marre de cette routine, de ce boulot. J'attends de te retrouver, compagne de mes divagations, petite fille verte de la tentation, douce. Mais assez enivrante pour que tes vapeurs entêtantes estompent de mon esprit cette collègue au corps parfait qui me rappelle que l'été n'est plus si loin, contrairement à mon bikini body, qu'il repose en paix. Peu importe, mes courbes ressemblent aux tiennes, bouteille de l'oubli, absinthe de ma vie. Je te sirote pour m'évader. De quoi ? Je ne sais déjà plus. Un verre est pris, l'autre a trop vite suivi. J'oublie que je te bois. J'oublie pourquoi je bois. Et la courbe d'utilité marginale de cette beuverie étant croissante, je finis très vite bien déchirée. Salomé, retournez. Salomé, explosez. Mais Salomé... Ah non, pas libérée, juste fracassée, stupidement satisfaite de sa vie. Un joli spectacle, mes amis. Sauf que je le sais, et toi aussi, ma paresse, mes manquements, mes retards, tout demeure. L'oubli que je recherche, loin d'être une pure absolution, est la plus absurde des solutions. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme, Dorian de son prénom. Dorian pousse sa dulcinée au suicide, mène une vie de débauche avant d'assassiner son meilleur ami. Autant dire, il n'est pas très gentil. L'histoire ne nous dit pas s'il était en plus capitaliste ou vegan. Dorian a un portrait. Un portrait qui, au fur et à mesure des actes qu'il commet, s'enlaidit de toutes ces atrocités qu'il effectue. Le chenapan décide un jour de changer de vie et la brillante idée lui vient de lacérer son portrait. Ce qui transfère les stigmates du tableau à l'homme. Alors écoutez-moi. Se prendre en pleine face, 40 ans devient pur de trahison, de luxure et de perversion, ça fait mal. Ça fait très mal. Si le portrait est le témoin de Dorian, ton miroir à toi est dans l'œil des autres. Et oui, je n'oublie rien de moi, mais je n'oublie rien de vous non plus. Toi, dont je sais que tu fraudes. Toi, la trentenaire de 46 ans. Toi, qui n'as pas toujours été très Charlie, je me souviens. Sache qu'il est inutile d'acheter Light pour oublier Pâques ou d'aller en affaires publiques pour oublier que tu n'as pas d'avenir. Vous êtes mignon. Et si ce n'est moi, sois-en sûre. Quelqu'un sera là pour te rappeler tes vilains péchés, car l'oubli est ce Judas
qui te susurre à l'oreille « Ça y est, tout est effacé pour mieux te tromper. » Mais tout le monde fait des erreurs. À quoi bon s'en fustiger ? Tu achèteras les pardons sans te pardonner ta lâcheté. La faute est belle, belle si elle t'ouvre les yeux. Ça a son charme piquant. Le faux pas, c'est maladroit, c'est touchant. Le faux jeton, tu le claques, ça soulage, vraiment. Il y a des fautes qu'on revendique. Moi-même, je commets l'erreur d'être exceptionnelle. Merci. Des fautes. D'autres fautes. Celles de français, par exemple. Les fautes de français, c'est universel. Et moi, j'assume fermement mon négationnisme de la transitivité du verbe pallier. Et oui, effectivement, les amis, je me battrai, je pallierai à votre manque d'ouverture quant à la folie de l'orthographe. Il n'y a pas beaucoup de profs de français dans la salle. Il existe une échelle de valeur dans l'erreur. Entre amis, tu plaisantes, fais des blagues irrévérencieuses. Le sacro-saint politiquement correct est prostitué. Mais au sommet de l'État, tes propos n'ont plus le même poids, ni les mêmes conséquences, et ces dernières peuvent parfois s'avérer funestes. Sauf que rien n'a jamais été réparé en étant dissimulé et enterré. Plutôt que de déconstruire la réalité, il vaut mieux travailler à la rafistoler. Pour les autres, pour toi-même. Ce dessin entaché, c'est à toi de le rectifier et du fusain de ton honnêteté en retracer les contours brouillés. Cette absinthe qui me noie dans d'absurdes sensations ne saurait m'absoudre de vos reproches. Et si, chère bouteille, c'est dans l'espoir de déguster au cœur de tes gouttes quelque arôme de vaillance pour tous les affronter. Pensez-vous qu'un homme ou une femme politique puisse reconnaître ses erreurs ? Alors, les femmes et hommes politiques sont très doués pour peser le pour et le contre et mesurer ce qui se ferait à leur avantage. Et je pense que là, le coût marginal d'accepter de reconnaître une erreur ne surpasse pas le déficit que cela engendrerait en termes de popularité. Mis à part le fait que vous êtes exceptionnel et que vous avez un petit penchant bien innocent pour la boisson... Que nous partageons peut-être ? Assurément. Quelle est votre faute, votre très grande faute ? Ma plus grande faute, c'est de vouer une admiration plus qu'exagérée. Non, mais plus sérieusement, c'est de vouer une admiration exagérée à Monsieur Jean-Marie Donegani, mon professeur d'amphithéâtre. Merci beaucoup, Salomé. Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir. Il est temps désormais pour nous d'évacuer la salle. Je demande juste au bureau de sciences polémiques de rester ici pour remettre la salle en l'état. Et j'invite également le jury à rester, à se préparer à partir pour les délibérations. Voilà, merci beaucoup à tous. Vous aurez les résultats dans la soirée.